J'ai un truc à dire. La colère du peuple Brésiani. Laissez-moi parler. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? David Cavani, c'est un jeune. Il parle beaucoup, mais il a du respect. Il a sa femme, une belle Camerounaise. Il a son enfant. Il y a eu du bruit à gauche, à droite. Les gens, ils interprètent ça mal. Donc moi, je félicite ce jeune David Cavin. Franchement, il a commencé de cassette 5. Il a laissé cassette 5. Il a fait la caméra. Il a laissé la caméra. Maintenant, chauffeur privé professionnel. Je suis avec Triple M. Dega. Le grand prêtre Morgan Mapina. Moto Pesangou nako ma caméraman. Pesangou na c'est le réalisateur. Mais est-ce qu'on a laissé le boulot au petit caméraman? Nous on est devenus vraiment des célébrités. On sort que dans des grands événements. Mais aujourd'hui nous sommes venus ici parce qu'il y a un truc qui va se passer ici. David Cavin, il a fait une formation professionnelle pour devenir chauffeur de VTC. Ça veut dire chauffeur privé. C'est comme quand on voit des... Je sais pas, ça se passe dans Paris, hein, vas-y. Dans Paris, des vrais chauffeurs. Donc là, il a acheté une belle voiture. David Cavin, franchement, bravo. Bien, mon grand frère. Bravo, félicitations, franchement. Le plaisir est pour moi. David Cavin, il est venu en France il n'y a pas très longtemps. À peine arrivé en France, il a eu ses papiers. Au début, il avait fait une formation de cariste, cassette 5. Il était embauché, il a travaillé en tant que préparateur de commandes. Après, il a trouvé que ce n'était pas son style, c'était pas sa... il n'était pas vraiment très à l'aise. Il a démissionné. Aujourd'hui, il a fait une autre formation. Maintenant, voici la voiture qui vient de s'offrir pour tous les Congolais qui ont besoin, toutes les personnes, les Ivoiriens, les Quinoises, les Camerounaises, tout le monde, sans exception, les Blancs, les Français. Son numéro de téléphone va être affiché. Donc, vous appelez si vous avez des courses. La voiture, elle est là. Les gens qui ont souvent des mariages aussi, hein. Vous avez des mariages, des anniversaires. Au lieu que de Watembla Muntu, Zambonga. Non, c'est fini Zambonga. Tembla quoi, David, nous sommes préparés, on a un rendez-vous. À David, telle heure, que Kumbonga, on a un mariage, telle place. Après, on a un mariage, Kumbonga, telle heure. David sera disponible pour vous. Si je mange, je vais me punir. Histoire vraie. Que dire de plus? C'est bien. Ouais, mais Brésani, jusqu'à présent, toujours KCS 1. À quand le KCS 5 pour vous? Morgan Mapina, un grand que j'aime bien avec des questions pertinentes. Bon, moi j'aime bien le KCS 1, c'est facile à conduire. Quand tu rentres dans le charreau, il suffit d'appuyer sur un bouton. Mais le KCS 5, c'est compliqué. Il faut faire des mathématiques pour aller chercher le colis en haut. Imagine si le colis ça te tombe sur la tête. J'ai pas envie de mourir dans l'entrepôt.
Parce que dans les entrepôts, il y a eu beaucoup de décès. Il y a eu des Congolais ou bien des gens, même des blancs. Il a pris un truc en haut. Le truc, il est descendu sur sa tête. Il a cassé sa tête. Il a cassé sa tête. Mort subite. Voilà.